Hello, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette vidéo comment créer votre concept de personnage pour la campagne de Pompéi. Alors, pour vous aider, je vais vous poser une série de questions et vous donner des explications ainsi que des exemples. C'est parti. La première question. De quelle classe sociale est votre personnage Alors, les esclaves. Si votre personnage est un esclave, vous devez vous demander si ses parents étaient également des esclaves, peut-être déjà de cette famille, ou vient-il d'un territoire nouvellement conquis Votre esclave, est-il indispensable à son maître, soit par ses connaissances, soit par un lien affectif par exemple A-t-il déjà tenté de fuir Est-il fidèle à son maître A-t-il la confiance de son maître Que ferait-il s'il était affranchi Les plébéiens Si votre personnage est un plébéien, quel est son métier Sa famille est-elle importante dans la ville A-t-il déjà des enfants Comment s'entend-il avec les membres de sa famille A-t-il des dettes ou la vie lui réussit Qui sont ses rivales en ville et pourquoi Les patriciens. Si votre personnage est un patricien, donc un noble, vous pouvez choisir une lignée historique ou en inventer une qui vous correspond mieux. Chaque famille importante a ses rivales. Vous devez réfléchir en quoi votre famille est importante pour créer vos ennemis. Pour la partie, aucun des membres de votre famille n'est un magistrat. En ville, au vu de vos habits et de votre nom, nul ne peut ignorer l'importance et la noble origine de votre personnage. Pour la deuxième question, votre personnage est-il une femme ou un homme Les deux sont intéressants à jouer car ils n'ont pas du tout le même rôle dans la société romaine, aussi bien en bas de l'échelle sociale, donc des esclaves, qu'au sommet pour les nobles qu'on appelle patriciens ou patriciennes. Pour la femme romaine, on attend d'elle à ce qu'elle s'occupe de la famille. Les mariages des patriciens et des patriciennes sont des mariages arrangés. La jeune mariée quitte son foyer pour rejoindre celle de son mari vers ses 14 ans, mais ce n'est qu'adulte qu'elle aura ses enfants. Pour les esclaves-femmes, elles servent de domestiques et certaines parviennent à devenir la confidente de leur maîtresse. Pour les hommes romains, ils ont un métier souvent le même que leur père. Leur citoyenneté romaine leur permet de voter. Seuls les patriciens peuvent avoir une carrière politique et devenir magistrats. Les esclaves hommes sont rééliés aux tâches ingrates et prennent parfois le travail donné de citoyens romains. Quelques très rares esclaves instruits ont une place enviable qui les propulse comme conseillers de personnalités importantes de la ville. Votre personnage est-il romain ou étranger Si votre personnage est romain, a-t-il sa citoyenneté Quels sont les dieux auxquels il accorde le plus de prières Quelle fête du calendrier romain attend-il avec impatience Quel est son plat préféré S'il est étranger, de quelle contrée vient-il Pourquoi est-il à Pompéi Quel est le panthéon des dieux de ses origines A-t-il abandonné ses croyances au profit des dieux du panthéon romain Les étrangers n'ont pas la citoyenneté romaine et n'ont donc pas le droit de vote. Puisqu'on va jouer dans une ville romaine, je vous demanderai de ne pas avoir plus d'un étranger par faction. Ensuite, quel est le lien entre votre personnage et la ville de Pompéi On va jouer dans une ville, il est impératif que votre personnage ait des racines solides pour y rester et s'épanouir, sinon vous allez vous enfuir au moindre problème. Votre personnage est-il né à Pompéi, comme ses ancêtres avant lui Est-il venu faire fortune est-ce que le talent de votre personnage en fait une référence dans son domaine Vous êtes peut-être devenu une célébrité locale et aucune fête digne de ce nom ne se fait sans votre présence. À vous de réfléchir pour intégrer votre personnage dans les rouages de la ville. J'imagine qu'à ce stade vous avez une vision claire de votre personnage et de ce que vous avez envie de jouer. Il va falloir maintenant réfléchir à votre faction et le rôle que vous allez y tenir. Les factions. Dans chaque faction, vous allez devoir réfléchir pour créer vos personnages de faction, de façon complémentaire. Vous devez donc avoir un expert en social, euh, un expert en physique et également un expert en mental. Donc un personnage capable de gérer les situations sociales, un autre pour gérer les combats et un dernier pour le domaine des connaissances. Vous avez donc trois rôles définis à intégrer dans votre groupe. Pour l'histoire que nous allons raconter ensemble, je souhaiterais que dans chaque faction, il y ait un personnage qui soit un esclave, un plébéien et un patricien. Il faut de tout pour faire un monde. Ensuite, vous devez réfléchir ensemble à ce que vos personnages apportent à votre faction en termes de pouvoir et de contrôle sur la ville. Je vous conseille d'avoir dans chaque faction vos entrées dans le domaine politique, religieux, militaire, artistique et du crime. Chaque faction a accès à un Discord privé pour comploter. Pour comploter, je vous invite vivement à réunir vos idées pour créer un groupe uni et complémentaire. Passons maintenant aux questions pour le surnaturel. Pour la création des personnages loup vous allez créer une meute avec les cinq hospices et également les cinq tribus déchues afin que vous soyez tous complémentaires. Votre concept de personnage doit être lié à son hospice. Un homme d'action sera un Raoult donc un guerrier, un érudit deviendra un étatur, donc un sage. Il n'y a pas de surprise hors de vos premiers changements entre ce que vous êtes et votre hospice. Je souhaiterais que vos personnages ne connaissent rien des loups-garous pour qu'on puisse jouer la découverte pendant la partie. Maintenant, pour la création des personnages vampires. Pourquoi votre sire vous a-t-il choisi pour être son enfant Je ne souhaite pas que vous créez vos sires, mais juste que vous déterminiez la raison et la relation que vous entretenez. Puisqu'on va jouer vos introductions, j'ai besoin de connaître la thématique qui vous unit à votre cire pour la mettre en scène. Parmi les cinq joueurs vampires, je souhaite que vous ayez chacun un clan dans votre coterie. Je vous invite à réfléchir ensemble pour que vos personnages se complètent et éviter les oppositions extrêmes en termes de religion, de politique ou pensée qui entraveront l'esprit d'équipe. Pensez que vous formez une team, l'élite des jeunes vampires qui un jour prendront la relève. Pour la Ligue des Vampires, j'ai potassé le supplément sur Rome de la première édition, et par souci de simplicité et de fun, je vous propose de prendre tous la même Ligue lors de Dracul. Alors l'histoire de la Ligue sera remaniée pour mieux coller à notre époque. Pour la création des personnages mages, vous allez créer une cabale de jeunes mages. Il est possible que j'intègre des PNJ pour compléter les voies qui n'auront pas été prises. Je vous invite à discuter entre vous pour créer des personnages qui peuvent cohabiter et pratiquer la magie ensemble. Pour l'ordre, il vous faut choisir parmi les ordres du diamant. Sachant qu'on va jouer dans une ville, on va éviter les ordres qui font voyager, par exemple. Je pense que la flèche d'Adamantine et l'échelle d'argent sont les plus intéressants. Une fois que votre personnage aura intégré sa faction, il aura conscience que les vampires, les loups-garous et les mages existent. Oui, vous remarquez que je n'ai pas parlé des changelins, c'est voulu. Les factions vivent chacune de leur côté avec des règles que je vous transmettrai en cours de partie. De plus, vous découvrirez vos lieux de vie pour le surnaturel en jeu également. J'espère vous avoir aidé à peaufiner l'idée de votre personnage. J'ai décidé de le faire en vidéo pour vous montrer comment je prépare ma campagne et peut-être que cela vous aidera pour vos futures campagnes ou créations de personnages, je ne sais pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et bleu et également un commentaire. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours disponible dans les commentaires et je vous dis à bientôt, à Pompéi. Gros bisous tout le monde, ciao ciao